Pour accueillir une personnalité politique que vous connaissez bien. Alors, vous n'êtes pas tout à fait de son bord, mais il s'est récemment illustré en donnant justement une conférence de presse à Toulon, alors que l'Ocean Viking, dont vous allez nous parler tout à l'heure, Jacques, débarquait sur le territoire français. Mesdames, messieurs, madame la ministre, c'est un peu pour vous. Voici Éric Zemmour. Ne m'appelez plus jamais France. La France m'a laissé tomber. Bonsoir. Ben voilà. Michel Sardou, c'est bien. Michel Sardou, c'est bien. C'est très bien, même. Hein. C'est bien de chez nous. Et puis, il est comme moi, Michel Sardou. Hein. Il remonte sur scène alors que tout le monde le croyait mort. Hein. Et en plus, il ne change jamais de disque. Et il chante toujours la même chanson. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle les laisse accoster. Ne m'appelez plus jamais France, mais plutôt la Nouvelle-Guinée. C'est scandaleux, comprenez-vous? Scandaleux, voilà. Alors, vous ne trouvez pas que ce qui est scandaleux, c'est plutôt de laisser... de laisser des gens risquer leur vie sur ces bateaux de fortune en pleine mer? Ben voyons. Mais ça, c'est la logorée habituelle des journalistes de gauche. Pléonasme, hein. Non, je vais vous dire, moi, ce qui est dangereux, vraiment dangereux, hein, c'est l'éducation de ces pauvres gens. Au lieu de leur apprendre à voler, leurs parents feraient mieux de leur apprendre à nager. Voilà. Vous savez bien que j'ai raison. Hein. La preuve, ils ne sont pas encore arrivés qu'ils volent déjà le travail des Français. En l'occurrence, des scaphandriers, il faut le dire. Hein. Ah ben. Et puis alors, franchement, Océan Viking. Hein. Vous en avez vu beaucoup, vous, des Vikings, hein. On est plus proche de Dakar que d'un Drakkar, quand même, hein, il faut le dire. Je sais que parfois le soleil ne se couche pas, mais là, permettez-moi de vous dire que ces Suédois, ben, débarqués, ils étaient sacrément bronzés. Hein. Allez vous balader entre Toulon et hier, depuis l'arrivée du bateau, c'est noir de monde, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, les panneaux ont déjà changé. On ne dit plus Bormes les Mimosas, mais Bordes la Médina. Mais vous n'avez pas honte, Éric Zemmour. Vous avez vu que le gouvernement, justement, fait preuve de fermeté. Bernard le soulignait tout à l'heure, Gérald Darmanin a annoncé que 44 migrants de l'Océan Viking allaient être expulsés dans leur pays d'origine. Mais pas du tout, vous vous méprenez, cher monsieur. Hein. En effet, comme vous, j'ai vu qu'il y en avait expulsé 44, mais au Qatar. Au Qatar, hein. Et vu leur niveau et la photo officielle, je sais pas si on peut la photo officielle, ils pourraient déjà revenir sur le sol français dès la semaine prochaine, croyez-moi. Hein. Mais c'est vous qui... Ce sont les joueurs de l'équipe de France de football qui participent à la Coupe du Monde, Éric Zemmour. Bah mais c'est pareil, il n'y a pas un blanc et ça va être un naufrage. Hein. Oh là là. Il faut le dire, l'équipe de France, c'est l'Océan Viking. Hein. La seule différence, je vais vous dire, c'est qu'il y a des migrants sur l'Océan Viking qui connaissent mieux la Marseillaise que Karim Benzema. Voilà. Et puis vous avez vu, à cause des migrants, plus de carburant. Mais quel est le rapport? Aucun, mais il faut bien un fautif. Et le niveau des mathématiques, hein, à l'école, il baisse à cause de qui, hein? Bah, je ne suis pas des migrants, j'imagine. Mais non, des femmes, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Mais vous pouvez le huer. Hein. Quoique non, le huer pas, c'est l'excite. Alors, pourquoi les femmes ne sont pas, soi-disant, fortes en mathématiques? Mais si, elles sont fortes en arithmétique. Hein. Ah. 200 grammes de sucre pour 130 grammes de farine, 2 œufs et un sachet de sucre vanillé. Dès qu'elles sont dans leur élément, en cuisine, les bonnes femmes savent compter. Mais le plus dur, hein, c'est pour les distances. Vous avez déjà vu une femme calculer la distance qu'il y a entre deux voitures pour faire un créneau, hein? Vous voulez? Non mais attendez, vous voulez que je vous donne le résultat, hein? 0 plus 0 égale la voiture chez Noroto. Alors ces remarques sont absolument scandaleuses, elles sont sexistes et elles ne vont pas plaire surtout à notre invitée, Madame la ministre, Marlène Schiappa, qui pourrait, dit-on, être candidate en 2026 à la mairie de Paris. Oui, alors attention, là je dis, attention. Hein. Terrain glissant, hein. Il sera très difficile de battre les voix sur barge. Enfin, je veux dire, les voix de la barge. Hein. En ce moment, tout le monde critique Anne Hidalgo qui augmente les impôts de 52%. C'est scandaleux. Pour une fois qu'elle passe les 2%, personne pour l'encourager. C'est une honte. Soyez prudente, Madame Schiappa. Car le dernier chez vous qui s'est frotté à Anne Hidalgo, c'est Benjamin Griveaux. Pour lui, ça a été dur. Ça a été très dur, même. Très, très dur.
Vous vous souvenez de l'image, hein? Oui, oui, c'est bon. C'est J'espère bon. Que vous aurez la main plus heureuse. Hein? Ouais. Et pourtant, lui, il aurait pu être élu, car ce sont vraiment des branleurs qui dirigent l'Amérique. Faut le dire. Malheureusement, Griveaux s'est retiré trop tôt. Voilà. Bon, j'ai pas que ça à faire, j'y vais parce que je suis pas très bien garé, même si a priori je ne risque rien, puisque ma voiture est noire. Bonsoir. Éric Zemmour, Michel Guédonné. Oh. Michel Guédonné, que vous retrouvez dans Flop Chef au Théâtre des Lausanne et en tournée avec Bernard Ménez dans Duo sur Canapé, notamment à Saint-Nary-sur-Mer le 4 décembre et le 17 décembre à Deauville. Vous